Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voilà, on est arrivé comme chaque année à ce joyeux rendez-vous, moment très important pour nous car on a la possibilité de vous présenter le travail réalisé pendant un an. On va commencer avec une chanson qui exalte l'amour, d'auteur anonyme et harmonisée par le professeur Pignet. La bergère des Aravis, connue aussi comme les plaisirs sont doux. Le texte vient de la région du massif des Aravis, près de la ville d'Annecy. C'est l'hymne à l'amour et à la jeunesse, et il nous invite à la beauté et aux joies du sentiment. Les vers des deux premières strophes sont très beaux et passionnés. Mais à la fin, le texte tourne vers un ton moins joyeux pour se transformer en une prophétie pas vraiment agréable, même si elle est réelle, bien que inattendue. Il arrivera le temps où toi aussi, jeune fille, tu resteras sans amant. Une conclusion qui unit beaucoup de chansons qui cachent, au fond, ce grain de sagesse populaire transmis à travers les siècles. Un autre morceau d'amour écrit par le maître Giuseppe Ceruti. Il s'agit d'une chanson très douce qui nous fait savourer les joies de l'amour. La beauté des yeux de la bien-aimée, la douceur de son sourire qui enivre de bonheur son amoureux jusqu'à faire disparaître tout souci. Il n'y a pas de mots à dépenser pour ce morceau. Je vous laisse écouter ces phrases simples mais très délicates sur une musique très douce. Chanson d'amour. Thank you.
Fammi volare fino alla luna, fammi giocare tra le stelle, riempi il mio cuore con una canzone e fammi cantare per sempre. Fly Me to the Moon è un brano musicale scritto da Bart Howard nel 1954 con il titolo In Other Words, ovvero In Altre Parole. La canzone divenne popolarmente chiamata Fly Me to the Moon dalla sua prima riga, ma ci sono voluti alcuni anni affinché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. Svariate sono le interpretazioni di cantanti famosi di questo brano, indimenticabile quella di Frank Sinatra del 1964. Le Dame ve ne presentano una versione arrangiata da Nicholas Hare. Terminiamo sulle note di una canzone popolare statunitense scritta da Pat Ballard, pubblicata nel 1954 e registrata per la prima volta dal gruppo delle Cordettes. Il testo della canzone chiede a Mr. Sandman di portarmi un sogno. Già, perché Mr. Sandman, personaggio presente in molte storie per bambini, pare che durante la notte cosparga sabbia o polvere sugli occhi dei bimbi per portare loro una buonanotte e sogni d'oro. Ecco spiegato il suo nome, Sand, sabbia, e Man, uomo, uomo della sabbia. Le Dame e la loro direttrice Barbara Grimaud, nel ringraziarvi ancora per la vostra attenzione, vi chiedono un ultimo sforzo. Per favore, fate correre la vostra magia, portateci un sogno e regalateci ancora un applauso. Grazie.